Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Le secret que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un secret pour réussir au concours. C'est un secret très efficace pour les étudiants. C'est un secret très efficace pour ceux qui cherchent l'emploi. Le temps actuel où il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Certains qui cherchent à travailler dans les structures et qui n'arrivent pas dû à la concurrence. Vous pouvez pratiquer cette recette qui est très simple. C'est un secret à pratiquer pendant 3 jours. 3 jours consécutifs avant d'aller pour le concours. Ce secret passe par 2 étapes. La première des choses, vous devez écrire le carré qui est actuellement sur vos écrans. Ce carré doit être écrit avec l'eau de rose et du safran. Vous gardez ce carré sur vous pendant et après le zikr, surtout quand vous voulez aller pour le concours. Le zikr doit être pratiqué à la même heure tous les jours, le zikr actuellement sur vos écrans. Vous devez commencer avec Astaghfirullah 100 fois, Salatul Fatih 100 fois, Yafattahu 4401 fois, et cela pendant 3 jours. Dès que vous finissez les 3 jours, avant d'aller au concours, vous faites un sadaqa, peu importe ce que vous pouvez donner. Si c'est de l'argent, si c'est du pain, peu importe ce que vous pouvez donner, donnez-le avant de partir pour le concours. Inch'Allah, ce jour, vous allez réussir au concours. Si ce sont pour les examens, si c'est pour les étudiants qui veulent passer des concours supérieurs, faites-le. Si c'est pour l'emploi, faites ce secret. Vous allez voir beaucoup de miracles avec. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Car demain, je reviendrai encore avec une autre recette. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Salamu alaikum wa rahmatullah. وبركاته